Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu spéciale. Déjà, je tenais à vous remercier en ce qui concerne les abonnés. On est maintenant arrivé à 5100 abonnés, c'est vraiment génial. Alors il faut savoir que là, je vais faire une vidéo, ça va être vraiment différent. Habituellement, je fais du montage, je fais pas mal de choses, que j'ai vraiment beaucoup acheté d'appareils, de logiciels et ainsi de suite, pour pouvoir tout simplement faire évoluer mes vidéos. Pourquoi j'ai mis cette chaîne YouTube en place? C'est tout simplement parce que j'adore partager. Il faut savoir que depuis très longtemps, même depuis tout petit, j'ai toujours aimé partager les choses, apprendre. Ça a toujours été, on va dire, ma passion, tout simplement. Alors, c'est une vidéo où je vais un peu me mettre à nu, histoire que vous compreniez un peu qui je suis et pourquoi je fais ça. En fin de compte, au début, j'ai commencé, on va dire, je suis un élève médiocre, on va dire à 21 ans, je ne vais pas tout résumer, évidemment, parce que je ne suis pas là pour faire ma vie, mais je suis parti à l'armée pour X raisons, on va dire personnelles, là, trop personnelles, donc je ne vais pas en parler, mais bon, je suis parti à l'armée et Dieu sait que ça ne m'intéressait pas. J'y suis resté 10 ans, et oui, malgré tout. Et c'est ce qui m'a permis aussi de... Je voulais aller dans l'électronique, et manque de chance, l'électronique ne m'a pas plu, donc je suis parti plutôt dans l'informatique où c'était beaucoup plus intéressant. Ensuite, maintenant, je suis dans une autre, on va dire, entreprise qui s'appelle Contron, où là, je travaille, j'ai travaillé en tant que producteur, technicien production, j'ai fait différents métiers. Maintenant, je suis dans la qualité, mais je m'aperçois qu'au fur et à mesure, depuis que j'ai mis en place cette chaîne YouTube, je l'ai mis en place parce qu'en fin de compte, j'ai un rêve. J'ai un rêve qui fait que j'adore apprendre, j'adore enseigner. Alors, il faut savoir, par exemple, quand je fais des cours, je ne connais pas ce que je vous explique. En fin de compte, j'apprends moi-même, je cherche beaucoup, je travaille énormément. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ce que c'est qu'un YouTuber, mais croyez-moi, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. J'adore ça, c'est vraiment un truc qui me passionne. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que j'ai un rêve, j'ai une passion et j'essaye de la partager. Bien évidemment, j'essaye aussi de m'écarter de ce que je fais actuellement au niveau de mon travail. C'est que mon travail, bon, il est ce qu'il est, mais on va dire qu'il devient de plus en plus alimentaire et plus tout passionnant. Donc je cherche tout simplement à m'échapper de ce travail pour pouvoir faire ma passion qui est ce que je fais là. Bien évidemment, pas de manière gratuite, mais de manière payante. Voilà pourquoi je voulais en venir ici. Tout simplement, vous voyez, j'arrive bientôt à 50 ans, bon... J'ai plein de passions, j'ai plein de rêves, mais j'ai toujours eu hâte et j'ai toujours aimé, en fin de compte, vous former. Je vous dis, c'est complètement différent comme vidéo, alors je ne sais pas si vous l'apprécierez ou pas, mais là, je me mets à nu. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fin de compte, je suis en train tout doucement de mettre en place des vidéos payantes, qui ne seront pas sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, qui sont par exemple sur Udemy dans le cadre Tinkercad. Alors, j'ai eu des personnes, qui m'ont fait des remarques comme quoi, oui, pourquoi je fais du payant, est-ce que je vais arrêter YouTube? Non, mais c'est logique, il faut bien commencer à rentrer dans le monde du payant pour pouvoir tout simplement se faire mieux connaître, sachant que je fais des vidéos en plus en général très complètes. Si je prends par exemple Tinkercad, logiciel que je ne connaissais strictement rien, vous voyez il est ici, cours complet, j'y connaissais vraiment rien du tout, et en fin de compte, j'ai passé tout l'été à essayer de comprendre ce logiciel pour pouvoir vous faire un cours complet. Je me suis dit, bon, au vu des remarques, et puis surtout je cherche à évoluer, pour pouvoir justement faire ce que j'aime, c'est-à-dire partager et enseigner. J'ai pas beaucoup de diplômes, vous savez, j'ai un niveau BTS, je suis pas un ingénieur, je suis pas tout ça, mais je suis passionné par plein de domaines. J'ai touché à tout, si vous pouvez voir un peu mon cursus, vous verrez que c'est assez impressionnant, dans le sens, alors c'est pas du tout de l'avantardise, c'est que j'ai vraiment passé un temps de malade à apprendre des choses, et j'essaye vraiment de percer dans un domaine pour vous montrer que je cherche vraiment à enseigner. Alors, je vous dis ça parce qu'en fin de compte, bientôt, il y aura de plus en plus de petites vidéos qui vous expliquera aller voir à tel endroit. Ce sera peut-être frtuto.com, c'est peut-être Udemy, pour vous expliquer que vous pourrez acheter mes formations. Pour ceux qui aiment ce que je fais, il faut savoir que j'ai quand même fait plus de 700 vidéos en plus de 2 ans. Alors, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le fait d'être passionné par ce que je fais. J'adore vraiment ce que je fais, je m'éclate dans ce que je fais. Là, j'ai acheté une imprimante 3D pour vous expliquer plein de choses, mais croyez-moi, ça me prend un temps de fou. Et je cherche vraiment à m'évader du travail que je suis actuellement, surtout on le voit au niveau du monde actuel, enfin, c'est un truc de fou. Moi, il faut savoir que je suis aussi un peu bouddhiste, je médite évidemment tous les jours, et je me dis, mais c'est pas possible, où va-t-on quoi? Donc j'ai envie de m'échapper de cet enfer, entre guillemets, et pouvoir faire vraiment ce que j'aime. Donc j'ai besoin de vous, tout simplement vous, mes abonnés. Et j'ai besoin de ceux qui pensent que ça vaut le coup ce que je fais comme vidéo, si vous voulez m'aider, allez sur le site Udemy. Là, vous allez sur le site Tinkercad cours complet, tout est expliqué. Et si vous vous êtes intéressé ou si vous voulez m'aider, achetez cette formation. C'est rare que je demande ce genre de choses, mais vraiment,
Je cherche vraiment à tout doucement essayer de pouvoir me faire connaître, parce que je sais que j'ai des capacités et je sais que j'ai envie de le faire. J'adore ça. Et ça sera, on va dire, grâce à vous qui me permettra d'évoluer. Voilà. Alors, je vous dis, c'est très rare que je fasse ce genre de vidéo. Moi-même, je ne sais pas où je vais, parce qu'on a tous nos faiblesses et nos forces. Bah, mes faiblesses, c'est tout simplement que j'ai peur de savoir, je ne sais pas où je vais, parce que vraiment, j'ai un travail quand même, ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Je l'aime plus trop, c'est sûr, ça c'est certain. C'est plus du tout ce que je veux. Moi, j'adore apprendre et là, je m'ennuie, tout simplement. Donc, je cherche à évoluer. Maintenant, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que plus des gens achèteront mes cours, plus des gens, bah, fin compte, plus ça va me motiver pour en faire encore plus. Et croyez-moi, je bosse sur plein, plein de domaines. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous a plu comme vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. J'avais vraiment besoin de vous expliquer ce qu'il en est. Alors, bien évidemment, aussi au niveau de ma chaîne YouTube, si je vais ici, vous avez aussi, pour ceux qui ne veulent pas acheter mes cours, vous pouvez aller sur mon compte PayPal. Et par rapport à mes cours que je vous donne, si vous voulez me donner de l'argent, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir. Ça me permettra de dire, oh, bah là, effectivement, j'intéresse des gens. J'ai eu quelques élèves qui m'ont donné de l'argent. Comme ça fait vraiment super plaisir. Mais croyez-moi, c'est pas du tout mon style de faire ça. C'est vraiment un exercice très compliqué pour moi. Parce que j'ai toujours aimé, en fin de compte, faire du gratuit. Mais je m'aperçois que si je veux m'évader, si je veux commencer à faire vraiment ce que j'aime, comme je dis, j'arrive bientôt à 50 ans, va falloir que je trouve une solution. Et la solution, c'est pouvoir faire en sorte de dire, bon, bah, ok, au revoir, bye bye le boulot, c'est bon, j'ai trouvé ma branche, j'ai trouvé ce que je veux, je peux en vivre. Parce que, évidemment, j'ai une femme et un enfant, et je ne peux pas partir comme ça du jour au lendemain, je ne suis pas fou, loin de là. Mais par contre, je vous dis, j'adore vraiment enseigner et partager. Et croyez-moi, tous les cours que vous voyez, je n'y connais rien au début, ou peu de choses. Et je m'arrache, j'apprends, j'apprends, je lis plein de bouquins, je regarde sur Internet plein de choses et tout. J'essaye vraiment de vous donner le plus qualitatif possible, que ce soit du gratuit ou du payant. Dites-vous bien ça, c'est-à-dire que, en général, les cours que je donne, gratuits ou payants, j'y mets la même énergie. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Bon, bah, écoutez, si je me fais lyncher, tant pis. Hein, mais au moins, j'avais besoin de vous dire ça pour vous faire comprendre que si, au niveau de ma playlist, je commence à faire un truc qui s'appelle formation payante, c'est pas pour rien. C'est que simplement, je cherche à m'évader par rapport à mon travail et je veux vraiment essayer de me faire plus connaître. Je suis certain que j'ai un potentiel pour vous apprendre des choses. Et tant qu'à faire, bah, gagner de l'argent, bien évidemment, ce qui est normal. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bien entendu, je n'arrêterai pas les vidéos sur YouTube. Hein. C'est pas du tout dire ok, j'arrête là, je stoppe là. Non, non, pas du tout. C'est simplement que j'ai envie de vous expliquer un peu ce que j'ai sur le cœur. Voilà, tout simplement. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Voilà, bah, vous voyez, là, je ne veux pas couper. Voilà, excusez-moi, c'est l'émotion. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.